Aussi loin que je remonte dans mon enfance, j'ai toujours voulu devenir archéologue en pays maya. J'habite Antigua, la capitale culturelle du Guatemala. Mon mari s'appelle Jorge. Il est anthropologue, d'origine guatémaltèque. Nous avons deux filles. Ma vie familiale n'est pas toujours facile à concilier avec mon métier, surtout quand je pars sur un site. Mais ce qui me rassure, c'est que la petite ne pleure pas quand je la quitte. L'archéologie est une activité qui m'occupe toute l'année, mais elle n'est pas suffisante pour vivre. Alors à Antigua, je travaille aussi comme traductrice et interprète, et je dirige l'Alliance française. On va corriger les exercices, les devoirs que vous aviez à faire pour aujourd'hui. On va prendre dans le cahier d'exercices, page 30, l'exercice numéro 11. Curieusement, cette vie à Antigua est beaucoup moins reposante que celle que je mène durant mes expéditions annuelles. Là, je n'emmène ni mes filles ni mon mari. C'est trop dangereux, car les fouilles archéologiques de la Joyanca se situent au sud du Rio San Pedro, en pleine jungle. La première fois, pour atteindre le site, il m'a fallu 4 heures de jeep, 3 heures de bateau et 2 heures de marche dans la jungle avec de l'eau jusqu'aux genoux. J'étais brûlée par les piqûres d'insectes, je ne pouvais ni m'arrêter ni m'asseoir, c'était terrible. Aujourd'hui, les conditions se sont améliorées. À la Joyanca, c'est notre troisième année de fouille. Je me lève avant le jour. Quand la température reste en dessous de 35 degrés, nous travaillons mieux. Ramiro Chub, Norberto Kish, Gilberto Cus. Les 60 ouvriers qui répondent à l'appel sont pour la plupart d'anciens ennemis, des ex-militaires et rebelles qui se sont combattus pendant 30 ans. Il faut savoir qu'ici s'est déroulée la plus longue guérilla de toute l'histoire du Guatemala. Lorsque les fouilles ont commencé, les traités de paix venaient à peine d'être signés. Il a fallu 2 ans pour que tous acceptent de travailler ensemble. La première communauté, El Tambo, est composée d'anciens militaires, la Esperanza, d'ex-membres de la guérilla, la troisième, la communauté du 17 avril, est métisse. Au début, les anciens militaires et leurs ex-ennemis de la Esperanza étaient très méfiants. Les Indiens ont mis du temps à s'ouvrir, mais ils sont aujourd'hui les plus dynamiques. Ça n'a pas été simple d'organiser le travail de tous ces frères ennemis. Ceux qui n'ont jamais posé de problème, ce sont les vrais propriétaires du site. Toute la journée et tous les jours, au-dessus de nos têtes, à observer l'évolution des travaux. Je parle des singes hurleurs. Le site de fouille en zone maya est toujours arraché à la jungle. Le bois en serre la pierre comme un étau. Notre premier grand souci est de dégager les constructions sans les abîmer et en coupant le moins d'arbres possible. Pour un archéologue, l'acte le plus précis est celui où il utilise les instruments de chirurgie pour dégager par exemple une poterie. Mais avant cela, nous devons déplacer des tonnes de terre à la pioche. En zone maya, cette tâche prend beaucoup de temps. Surtout lorsque nous avons dégagé les pyramides de la place principale. On me demande souvent si, dans un pays latino-américain, a priori machiste, une femme peut diriger des hommes. Je réponds que oui, du moins si on est une étrangère. J'ai jamais eu de problème avec eux. Nous nous sommes toujours respectés. 4 no está muy apretado, no solo 3 aquí mejor. À vivre ainsi ensemble, isolés en pleine forêt, sans aucune nouvelle du monde, nous avons les mêmes préoccupations et chacun peut montrer le meilleur de lui-même. Buscando otro. Samuel, ¿no será que se quiere quedar? Le voy a decir al comandante, vamos a ver. Comandante. Comando. Se quiere quedar cambiando.
Cette année, nous en sommes à libérer l'intérieur d'un palais. Lorsque nous nous approchons des sols et des murs en stuc peint, la pioche est remplacée par d'autres outils qui permettent un travail plus délicat. C'est ainsi que nous avons découvert que les pyramides avaient été bâties sur d'autres pyramides plus anciennes encore, complètement recouvertes de tonnes de pierres et de terre. En dos ya le llegan. Ah, ahí sí. Ahí sí nos quiere mover. Dos le más llegan. Perros, más. ¿Quieren dos o quieren una? Yo voy a estar aquí si quieren una, sino dos. La mise à nu finale des sols et des murs requiert l'utilisation des instruments de dentiste. Les structures déjà dégagées ont révélé des statues en stuc peint, des glyphes, des représentations d'animaux, ainsi que de divinités. Nous sommes tous confrontés à une nature souvent hostile. La nuit, nous ne sortons pas sans lampe. Le jour aussi, le danger peut nous surprendre à n'importe quel moment. Les mygales et les serpents sont nombreux. Il y a même des vipères Barba amarilla très venimeuses dont l'antidote n'est pas encore fiable. Sans compter les insectes porteurs du paludisme qui peuvent nous infecter à tout moment. Malgré cette hostilité, je me sens bien à la Hoyanka. Je repars avec des plaies à panser pendant des mois, mais j'y retourne toujours en pleine forme. Ahí está, cuidado Mario el pie. La vie quotidienne est difficile. Il faut économiser l'eau et la chercher à plusieurs kilomètres du campement. Nous ne disposons jamais d'eau suffisante pour nous laver, alors que nous charrions tant de terre. Moi, je ne crains pas d'avoir la peau toujours terreuse. J'ai été élevée à la campagne. Il m'arrive même, le soir, après le départ des ouvriers, de me coucher à même le sol et d'écouter. Quoi exactement? Je n'en sais rien. Difficile d'expliquer cette sensation. Sous les étoiles, au milieu de la jungle, des animaux, des odeurs de pluie, je trouve une vraie sérénité. Là, seul au monde, en contact avec les éléments, je me sens très proche des anciens Mayas. Mon rêve, c'est qu'un jour, la Hoyanka soit aussi bien restituée que le site de Tikal. À 12 ans, c'est Tikal qui a déclenché ma passion pour le monde Maya. Je l'ai découvert dans la bibliothèque de mes parents, sur un très beau livre, avec des glyphes, des objets en jade. Un rêve qui m'a donné le goût de l'aventure. Mon aventure de la Hoyanka, je la dois à une autre femme. Il y a 5 ans, la compagnie pétrolière qui a découvert le site en voulant construire un pipeline était contrôlée par une femme passionnée d'archéologie. Elle avait décidé de financer les travaux. Le hasard a voulu qu'elle soit française. De ce fait, le CNRS a été contacté et la mission d'accompagnement des archéologues guatémaltèques a été confiée à des Français. C'est Charlotte Arnaud et Enrique Ponciano qui dirigent le projet. Parece en la banqueta y en la otra que está hasta allá. À 11h, l'équipe fait une pause. Nous bénéficions d'un camp bâti en dur qui résiste à la saison des pluies. Nous nous octroyons un minimum de confort et de protection sanitaire. L'eau, les légumes, la viande, tout doit être surveillé. Neko, cuenta un chiste de Eric. Le rythme des journées est intense, car la période de fouille dure seulement 3 mois par an. Jusqu'en mars, on ne peut atteindre la Hoyanka à cause des marécages inondés. Après, à partir d'avril, il n'y a plus d'eau pour vivre. Cette période est courte. Nous devons l'exploiter au mieux et travailler au maximum de nos possibilités. Mais pas de problème. Au Guatemala, j'ai appris un secret pour être efficace. Faire la sieste après le repas. Car il faudra recommencer à travailler par 40-45 degrés.
Aux élèves archéologues qui participent au chantier, j'essaie surtout de transmettre la patience, l'observation, l'amour de la nature, de l'histoire et des sciences humaines en général. Pour moi, ce sont les qualités essentielles d'un archéologue. Eva fait de la géo-archéologie. Elle travaille sur le rapport existant entre l'environnement et l'établissement. Le plan initial avait seulement relevé les grands groupes. La mission d'Eva consiste à relever les structures secondaires. Pour ce faire, elle effectue des allers-retours continuels sur plusieurs kilomètres à travers la jungle. Je vois pas, j'ai pas de contraste. Y a pas un gars avec un t-shirt blanc ? Avec elle, je revis mes premières années de terrain, à faire de la reconnaissance et de la topographie, à la boussole et au mètre. Estas. Ajá, gracias. Espérame, voy a hacer otra. Chaque fois que nous découvrons des centres cérémoniels, nous constatons que leur orientation est identique. Toujours établie d'après des croyances religieuses et basée sur une véritable connaissance astronomique. Ok. Nero, la estaca. La estaca. La estaca. On ne peut pas dire que les constructeurs mayas possédaient un savoir mathématique approfondi. Il s'agissait plutôt d'un sens de l'observation très poussé, qui avait toujours pour objectif de mettre en relation les astres avec leur construction terrestre. En somme, toute une façon de penser oubliée par la plupart d'entre nous. Laura est guatémaltèque. Elle prépare son mémoire sur le culte des ancêtres chez les Mayas de la période classique. Elle analyse les strates de pierre pour retrouver les différentes civilisations qui se sont succédées. Ces différentes étapes de construction sont caractéristiques de tous les grands sites mayas. Ils bâtissaient plus grand, plus beau, plus haut, mais toujours le même type d'édifice sur le même lieu. La autre était la blanca normale, la boluda normale. Et cette por sí tiene ciertas. Laura possède une très bonne formation de technicien de terrain, ce qui n'est pas toujours le cas des Français qui arrivent en doctorat avec un savoir plutôt théorique. Ici, c'est l'inverse. Laura manque d'une formation conceptuelle que j'essaie de lui donner. Elle en aura surtout besoin lorsqu'elle abordera les analyses en laboratoire et leur rédaction. Le hablé nada más, le dije, Samuel, y voltea. Les ouvriers indiens, et les femmes aussi, sont très sensibles à l'évolution des fouilles et à la restauration des poteries et des stèles. Là, tu as donc la tortue. Là, tu as le cycle lunaire, hein, ces deux glyphes. Hein, avec la... C'est la continuation de la date qu'on a de l'autre côté. Hein. Et puis après, on va passer par là. Alors là, regarde, celui-là, celui-là, celui-là et celui-là, qu'on ne peut plus lire maintenant parce qu'ils sont vraiment trop érodés. C'est le nom du gouverneur, c'est le nom du roi ou du gouverneur de la Royanka à cette époque-là, donc en 480. Descendants indirects des anciens habitants de la Royanka, les Mayas Kekti sont souvent émus par la découverte de ces objets. Même si ce passé ne leur appartient pas tout à fait, les fouilles leur permettent de retrouver une identité longtemps niée par la colonisation. Neko étudie la structure sociale maya par l'analyse des vestiges construits. Quel était le statut des habitants d'après l'observation de leur maison? Neko fouille un palais beaucoup plus imposant que ceux découverts aux alentours. Apparemment, ses occupants tenaient à afficher un pouvoir supérieur. Si podemos dejar abierto, mira, si podemos poner un techo aquí. L'intérêt que présente la Royanka est multiple pour moi. D'abord, cette région maya était inconnue. Ensuite, ce site possède une taille humaine pour un archéologue. Dans 5 à 6 ans seulement, nous aurons une vision globale de sa société. Travailler sur un site plus grand serait peut-être plus prestigieux, mais nous en aurions une vision réduite. Tandis qu'ici, nous pourrons reconstituer toute l'histoire de cette ville.
y avait aussi un petit pied. Ouais. Peut-être là. Ah, ya podemos ir a la esperanza. Le principe général des fouilles consiste à travailler sur des mètres carrés numérotés. Toutes les découvertes sortant d'un carré forment un lot avec des numéros références. Le matériel céramique est lavé, séché, mis dans des sacs et ensuite marqué à l'encre de Chine pour être étudié au laboratoire dans plusieurs mois peut-être. Tout ceci nécessite un minimum de savoir lire et écrire que ne possédaient pas les Indiens à mon arrivée. Alors j'ai commencé par faire de l'alphabétisation. J'ai également passé autant de temps à leur apprendre les techniques de fouille qu'à expliquer notre métier, car le rapport patron-ouvrier n'existe pas chez les gens de la forêt. Ils ne travaillent que s'ils comprennent ce qu'ils font. Bueno, está bien así? Contento o no? La présence des femmes est en général très rare sur les chantiers de fouilles, mais comme elles aussi se passionnaient, je les ai engagées. Le succès humain de la Royanka est aujourd'hui si réputé que toutes les Indiennes de la région veulent y travailler. Malheureusement, mon budget est limité. Mélanie fait sa thèse sur la céramique, une spécialité importante en archéologie maya, car c'est un marqueur chronologique. Selon le type de céramique trouvé, on peut déduire la date d'origine. Mélanie a un sens de l'observation très développé et elle dessine très bien. Malgré tout, au début, il est très difficile de s'initier à la céramique. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer un très bon formateur au Mexique. Il m'a fait ressentir la terre travaillée. J'ai découvert que mes mains aussi pouvaient m'apprendre quelque chose. Elle chuchite en soi. Non, le problème, c'est que nos leçons sont mélangées. Ouais. Elle est jolie, hein. Elle est vachement jolie. Oui, bah, ça, c'est à mettre avec les fragments des fragments en soi. Ouais. Il y a très peu de bons polychromes, ils sont très souvent érodés. Hein. Oui. Ça concentre, mais. Il y a deux secondes, il collait. Il y a deux secondes, ça collait. Ça ne sera pas de ce côté-là. On voit bien la différence de pas, tu vois. Garde celui-là, mets-le de côté, et ça peut te servir après de référence pour les pattes importées, par exemple. La plupart des débris de céramique sont ramassés dans les fosses à ordures des Mayas. Bien sûr, il y a de quoi être fasciné lorsque nous parvenons à reconstituer un objet en totalité. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, il est plus important de trouver une grande diversité de tessons. Plus ils sont nombreux, plus ils permettent le recoupement de nos théories. En Europe, les archéologues travaillent uniquement entre eux. Ici, nous sommes toujours en contact avec les gens de la forêt. C'est très particulier. Leur priorité à survivre les ont rendus bien différents de nous, Européens. Ils sont proches de la réalité, de la vie, de la mort aussi, bien sûr. Dans le Péten, une très grande quantité de sites mayas connus attendent encore d'être étudiés. Nous avons du mal à les imaginer, car la végétation a repris le dessus. Aujourd'hui, la majorité des gens croient que les villes étaient des îlots entourés de forêts vierges. C'est faux. Les mayas étaient de grands défricheurs. À l'époque, la zone était dépourvue d'arbres et couverte de très vastes cultures de maïs. De nos jours, l'unique moyen de subsistance de ces communautés déplacées est l'agriculture sur brûlis. Aussi, nous avons pour objectif de leur permettre un développement durable. Déjà, en 3 ans, la route est arrivée dans les villages.
De plus, ils participent à la restauration du site de la Royanka et nous les aidons à développer une infrastructure d'écotourisme, ce qui est très novateur au Guatemala. Au début, les gens se méfiaient. Ils avaient été tellement trompés. Maintenant, j'entretiens des contacts avec tous. J'ai même dû apprendre un peu le kekti. C'est un dialecte indien pas facile du tout. L'archéologie n'est plus seulement la science des vieilles pierres. Cela devient aussi de l'archéosociologie. Maintenant, je suis souvent invitée aux fêtes de village, je participe à des activités sportives, j'ai même créé une équipe de foot, même si je ne sais quasiment pas jouer. Les 3 mois terminés, il faut clore le chantier. Pour remplacer les arbres coupés, nous replantons également des essences d'arbres en bordure du site. Pour moi, la nouvelle archéologie plonge davantage dans l'étude des civilisations anciennes si elle tient compte des peuples et de l'écologie actuelle. À la fin de chaque chantier, j'aime lorsque vient l'heure de faire le ménage pour la fameuse séance de photos. Passer un bon coup de balai est équivalent pour moi à mettre en ordre ma mémoire. Chaque structure découverte est classée par cliché pour être étudiée plus tard. Puis les séances de rebouchage viennent clore provisoirement le chantier. Nous refermons les fouilles pour éviter leur destruction par les pluies à venir. Nous protégeons tout ce qui a été fouillé, mais pas encore consolidé. C'est frustrant pour un archéologue de devoir tout recouvrir dans l'attente de la saison suivante, qui aura lieu 9 mois plus tard. Mais ces palais, très bien conservés pendant 1500 ans sous terre, sont maintenant sous notre responsabilité. Les singes hurleurs redeviennent les maîtres des lieux. Ce qui appartient à la terre retourne à la terre. Il ne reste bientôt plus que l'intensité des échanges, dont le souvenir restera vivant jusqu'à l'année prochaine. La dernière nuit, nous recommençons à travailler sans ressentir de fatigue, comme si nous n'allions jamais revenir à la Royanka. Car les fouilles coûtent cher. Chaque année, elles peuvent être remises en question. Plus mes connaissances augmentent, plus je persévère à déchiffrer les mystères antiques. Depuis 20 ans, j'ai travaillé sur plus de 80 sites. Et si c'était à refaire, je le referais 100 fois. Je travaillerai sur la civilisation maya jusqu'à la fin de ma vie.